Je ne sais pas par où commencer. Ah. À cause du foutage de gueule que Chronopost m'a fait. Voilà. Chronopost m'a fait un gros foutage de gueule encore. Parce que cet après-midi, je reçois un appel du livreur. Il ne me laisse même pas le temps de répondre au téléphone. Là, il raccroche directement. Et justement, il m'envoie un message vocal pour dire que mon colis sera déposé dans un point relais, parce que soi-disant j'étais pas là. Mais s'il aurait sonné à l'interphone, il aurait vu que je suis là. Enfin, il aurait entendu que je serais là. Et là, je regarde mon suivi de colis sur le site de Chronopost. Je vois marqué instruction de livraison reçue. Début du créneau horaire, rendez-vous le 18 novembre 2019 à 8h. Fin de créneau, rendez-vous. Enfin, RDV, 18 novembre 2019 à 18h. Origine, destinataire via appel livreur, statut créé, instruction choisie, mise à disposition à l'agence. Tu ne m'as laissé pas le temps de répondre, donc j'ai pas pu. Enfin, le livreur ne m'a pas laissé le temps de répondre au téléphone, donc j'ai pas pu envoyer une instruction de livraison. Donc du coup j'ai appelé justement le service Chronopost. Voilà. Il me dit que j'aurai, je crois, une notification par mail. Je ne l'ai pas reçue encore. Je ne l'ai toujours pas reçue. Et en plus, le livreur me dit qu'il sera déposé dans un point relais, mais il me dit pas lequel. Et ça, c'est chaud, ça. Chronopost, faites votre boulot. Faites votre boulot, parce que là, depuis samedi, j'envoie des messages sur Twitter, au DM de Chronopost, avec le arrobas Chronopost. Le DM ne me répond pas. Et ça casse les couilles. Voilà, personnellement. Et j'espère que ce sera la dernière vidéo sur ces incapables. Hein, sur ces incapables de Chronopost. Parce que oui, il y en a des tas. Hein. Il y en a des tas de vidéos. Même sur Google, ils ont une étoile, je crois. Toutes les agences ont une étoile. Franchement, il faut faire quelque chose. Hein, Chronopost.